les interprétations 2D du RGFDEMO concernent les résultats de reconnaissance d'horizons géologiques à partir de profils sismiques et de corrélations sur forage. Ces informations sont disponibles à partir du gestionnaire de couches. Les interprétations 2D regroupent deux types d'informations issues de corrélations en termes de stratigraphie séquentielle sur log, de sondage et de profil sismique. Ces deux groupes s'affichent respectivement en vert et en violet. Regardons les résultats disponibles en termes de stratigraphie séquentielle autour d'un forage présélectionné. En cliquant sur le transect numéro 2, le tableau de métadonnées de ce transect s'ouvre pour donner accès à un certain nombre d'informations, dont les images donnant accès aux illustrations de ce transect. En sélectionnant une de ces images, l'image PDF s'ouvre, illustrant les logs diagraphiques des différents forages considérés, les lignes isochrones corrélées, les interprétations en termes de cycle, ici du deuxième, troisième et quatrième ordre. En sélectionnant cette autre image, ce même profil est représenté avec un habillage en termes de faciès. Les profils sismiques retraités dans le cadre du projet sont disponibles à la visualisation dans cette application. C'est le cas pour le profil nommé 87ADL6. En cliquant sur ce profil, le tableau de métadonnées de celui-ci s'ouvre pour donner accès à un certain nombre d'informations. Les auteurs de l'interprétation et l'accès aux images de ces profils. Mais aussi la possibilité d'exporter les pointées sismiques interprétées sous forme de tableau Excel. Ce tableau indique pour chaque CDP les coordonnées x, y, temps des pointées pour chaque horizon reconnu, les auteurs et d'autres informations.